Toujours à critiquer l'Algérie aussi, toi aussi, et l'Algérie met une majuscule si tu respectes vraiment l'Algérie. Alors c'est très simple, moi, les Algériens, l'Algérie, je la respecte du plus profond de mon cœur. Ceux que je critique, je vais dire une chose, c'est ceux-là qui vendent du shit avec le maillot algérien. Ceux qui font de la bécane de crosse avec le drapeau et le maillot algérien. C'est ceux-là que je ne peux plus me blairer. Et c'est ceux-là que vous protégez. Parce que eux, vous leur dites rien. Les patriotes en carton de l'Algérie qui n'ont jamais vu l'Algérie et qui foutent hella en France. Donc, quand on aura éduqué ces pseudo-Algériens qui ne représentent en rien l'Algérie, là, à ce moment-là, on pourra dire que les Français d'origine algérienne sont extraordinaires. Tant que ces gens pourrissent la réputation des Algériens en France, parce que ce problème-là, il est qu'en France. Je suis désolé, ça va pas aller. Ça va pas aller parce que, ben, forcément, ça va faire monter le racisme. Mais vous avez peur. Vous avez peur de leur dire. Et vous les laissez tout faire. Ne vous plaignez pas après. Donc, critiquer les lascars, les racailles qui se disent représentants de l'Algérie, oui. Faire des éloges sur les vrais DZ, les vrais Jazeera, ceux qui ont de l'honneur, de la prestance, eux qui font avancer l'Algérie, oui. Sur ce, on continue le combat du vivre ensemble. Ah, les plus gros hypocrites, les patriotes algériens. Les patriotes algériens, oui, qui disent que l'Algérie a aucun défaut lors des derniers feux, que limite, il n'y a pas eu de mort. Les patriotes algériens qui disent que ce pays est parfait. Les patriotes algériens qui critiquent la France sans arrêt. Les patriotes algériens qui vivent en France. Les gars, ils sont quand même culottés. Ils parlent que d'Algérie sur leur TikTok, mais vivent ici. Ils parlent français, ils vivent ici quoi. Mais t'es pas patriote algérien. Non. Vous êtes des lâches. Parce que les patriotes algériens, ils sont en Algérie. Ils essayent de faire en sorte de faire évoluer leur pays. Ils sont pas là à parler de l'Algérie toute la journée en vivant dans un autre pays, non. Alors arrêtez de vous dire patriote algérien quand vous êtes en France. D'ailleurs, c'est les vacances et vous êtes encore en France. Bah, je comprends plus rien, moi. Parce que, au moins, aller au bled tous les étés, quoi. Bon, bref, on continue le combat du vivre ensemble avec ces gens-là qui sont constamment en train de critiquer la France. Je voulais juste parler une dernière fois de l'Algérie et vous montrer une différence. La première, c'est des Algériens qui ont vécu en Algérie, les vrais DZ, tu vois. Et regardez ce qui me marque. Je suis Algérien, venu d'Algérie à 20 ans. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te trouve même gentil dans tes propos. Merci pour ta vidéo. Il continue. Je suis Algérien et en France intégré depuis 12 ans. Il faut arrêter. J'aime ma terre. Il aime l'Algérie. Mais il y a tellement de problèmes en Algérie, c'est incomparable avec la France en gros. C'est vrai que c'est plus compliqué en Algérie et les gens ont quelquefois moins de moyens, il faut le dire ça. Et là vous avez des petits Français d'origine algérienne, je parle de cette minorité qui nous gâche la vie, les cancers de la France qui nous marquent ça. Oui, il faut vivre en France et emmerder la France et profiter le maximum de la France, c'est ça le projet. On va pas la laisser tranquille quand même. Alors vous voyez que ce que je dis, c'est pas totalement faux. Cette minorité de Français d'origine algérienne qui se croit plus algérien que les Algériens ne valent rien. C'est une des dernières fois que je parlais de l'Algérie, puisque là j'ai enchaîné sur quelques vidéos sur l'Algérie, parce que c'est un vrai problème en France, hein, avec l'histoire, avec tout ce qui s'est passé. Mais il faut crever des abcès quelquefois. Et je remercie tout les Algériens d'Algérie et toute la majorité des Français d'origine algérienne qui respectent les Français, qui respectent l'Algérie et qui respectent tout le monde. Les autres continuent le combat contre vous qui nous gâchez la vie et on continue le combat du vivre ensemble.